Day. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. City of Choice, auteur d'un excellent départ, et qui va tenter donc de surmonter son couloir extérieur. Avantage cependant à Pieces of Eight, qui donc garde l'avantage devant Powerful Gift. City of Choice est en troisième position à l'extérieur de Hills of Rome. Ensuite, il y a Santos, Woody Allen, Forbes, alors que Made of Money se retrouve en queue du peloton, tout juste devant lui, Bainesville, en pleine descente. Donc, Powerful Gift finalement est parti avec une de longueur d'avance sur Made of Steel, qui arrive en deuxième position à l'extérieur de Pieces of Eight, qui a un excellent parcours jusqu'ici. Tout juste derrière, il y a City of Choice, ensuite Hills of Rome, Santos, Forbes, Woody Allen. À l'extérieur, Bainesville, Made of Money, toujours en dernière position, alors qu'on était à 400 mètres du poteau. Powerful Gift a toujours l'avantage devant Pieces of Eight. City of Choice se rapproche le long du rail avec Hills of Rome, qui est lancé par Mathis Odendal en pleine ligne droite finale. Powerful Gift a toujours l'avantage. À l'extérieur, Pieces of Eight arrive de plus en plus fort. Pieces of Eight a dominé Powerful Gift. On tente de revenir avec City of Choice et Hills of Rome, mais Pieces of Eight a toujours l'avantage. Hills of Rome termine de plus en plus fort. Hills of Rome devant Woody Allen.